Bon, alors quelques conseils en vrac. Après toutes ces informations, j'espère que c'était pas trop dense. C'est pour ça aussi que je les ai mis en ligne pour que vous puissiez revenir potentiellement petit à petit dessus. J'ai essayé d'être le plus simple, voire simpliste possible parfois, mais le but c'est pas de faire de vous des professionnels. Quand je dis que une transaction financière via une banque, c'est de voir que l'argent de Toto passe à Titi et que voilà, c'est pas tout à fait vrai. Dans la vraie vie, il n'y a pas d'échange entre ces banques à chaque transaction. Voilà. C'est fait à la fin de la journée, etc. Donc voilà, sur beaucoup de choses, beaucoup de concepts, j'ai été simpliste, mais c'est pour vous aider à débuter. Pas pour faire de vous des puristes de la crypto-monnaie, des échanges, de la blockchain, etc. Mais voilà quelques conseils que je peux vous donner. Ça, c'est les seuls que je vous donnerai vraiment, que je vous conseille d'écouter. Mais après, comme je vous ai dit, regardez, documentez-vous, etc. Pour le minage, donc c'est le principe même de création de la monnaie, de validation. Enfin, voilà, c'est. Vous allez entendre des gens parler du fait qu'ils minent, de fait, etc., que ça peut rapporter de l'argent. Je vous conseille absolument pas de vous lancer là-dedans, c'est très coûteux en électricité et vous n'avez pas le matériel pour, tout simplement. Ça demande des cartes graphiques, ça demande beaucoup de puissance, ça va vous manger énormément d'électricité et il y a des gens qui se professionnalisent là-dedans. Vous avez de moins en moins de chances de miner de manière efficace. Donc, restez en dehors de ça si je peux me permettre. Gérer le risque. Je vous ai dit, c'est très volatile. On ne sait pas ce que ça va donner. Donc, des petits conseils de base. Vous ne faites pas d'échanges rapides. Je vous ai dit, le day trading, ça ne marche pas beaucoup. C'est trop volatile. Il y a des frais quand même à chaque transaction. Voilà, je vous conseille pas. Regardez pas aussi au jour le jour, sinon vous allez péter un câble avec les changements de taux. À chaque fois, vous allez dire oh, c'est en train de s'écrouler, oh, c'est en train de remonter. Voilà. Gérez plus ou moins, si vous voulez faire une gestion avec peu de risques, gérez au moins au mieux. Mettez quelques euros sur du Bitcoin. Laissez fructifier ça pendant 6 mois, 7 mois si vous voulez, si vous avez quelques dizaines d'euros, voilà. Vous avez très peu de risques par rapport à ça et vous avez quand même de grandes chances d'avoir des rendements tels qu'on les voit depuis le début de l'année 2017, juste pour mentionner ça, de plus de 2000%. Voilà. Évitez les ICO. Je reviendrai hein, dans une autre vidéo sur ce que c'est une ICO. Je vous conseille pas du tout, dans un premier temps, quand vous maîtrisez pas ce que c'est. Actuellement, il y a un vrai phénomène de grand n'importe quoi sur les ICO. Il peut y avoir vraiment des trucs très professionnels, comme une grande majorité de n'importe quoi. Donc, restez en dehors de ça dans un premier temps. Gérer de la crypto-monnaie de manière très basique pour comprendre comment ça fonctionne, ce que vous pouvez en faire, où vous pouvez l'acheter, où vous pouvez la vendre, à quel moment c'est intéressant, etc. etc. N'allez pas au-delà. Évitez donc ce qu'on appelle les shitcoins, ça c'est juste un conseil. Ce sont, comme je vous disais, tous les jours il y a des dizaines de crypto-monnaies qui sont inventées, qui sont créées. Il y en a qui sont à vocation qui ont vocation à peut-être devenir des bonnes monnaies. C'est pas le cas de la plupart. Les gens qui aiment le risque, qui vont investir quelques euros sur chaque shitcoin qui leur passe dans les mains. 99% de ces monnaies n'arrivent à rien. Il y a peut-être effectivement une fois un shitcoin qui va prendre 10 000, 50 000% sur une durée, mais je vous conseille absolument pas. Si vous n'êtes pas dans le risque élevé, passez votre chemin. Regardez pas trop souvent les taux, je vous en ai parlé. Vous pouvez vraiment avoir des chutes de marché, des reprises de marché phénoménales. Vous êtes sur un marché émotionnel. Enfin, donc voilà,
qui est peu prévisible, dont vous n'avez pas le contrôle sur les événements. Vous avez très peu de professionnels qui vont stabiliser des chutes en achetant à prix bas. Enfin voilà. Donc ne regardez pas trop souvent, sinon vous allez devenir fou. Je vous conseille pas dans un premier temps de vous lancer dans les tokens, tant que vous n'avez pas bien compris ce que c'est, comment ça marche, qu'est-ce que représente ce token en particulier. Donc voilà. Je vous parlerai dans des vidéos futures des tokens pour vous expliquer, parce que vraiment c'est une grosse grosse révolution qui arrive. Mais dans un premier temps, essayez de comprendre déjà les concepts de base, passez après dans un deuxième temps au token si vous voulez. Mais vraiment, le seul conseil que je vous donne dans un premier temps, c'est vraiment investir dans de la crypto de manière basique, quelques dizaines d'euros, ça suffit. Limitez vos investissements à max 20% de votre capacité d'investissement. Ne flambez pas. C'est tellement des bulles et tellement des effets de mode. Oui, vous pouvez gagner avec des pourcentages de fou que vous ne verrez pas en si peu de jours. C'est clair. Mais c'est des risques très grands. Demain, il se peut que pour X raisons, on ait un véritable crash de chaque monnaie, du Bitcoin, mais pas que. Ça peut arriver. Un emballement peut vraiment écrouler le marché. Comme il n'y a que des gens comme vous et moi, on va tous paniquer, on va tous se mettre à vendre. Donc oui, c'est faisable, c'est possible, c'est réaliste. Donc gardez votre investissement à un niveau raisonnable de votre capacité d'investir, diversifié. Je ne peux que vous conseiller d'éviter que les placements en euros, encore une fois, hein. On est dans un moment qui n'est pas propice à acheter de l'euro à tout va. Achetez des comptes multidevises, investissez dans du dollar, dans de la livre sterling, achetez vraiment des matières premières, des pièces d'or, d'acheter de l'or, de l'argent, mais réellement pas des produits qui sont liés à l'or. Donc voilà, pensez diversification au maximum. Retirez régulièrement vos gains si vous voulez limiter les pertes. Vous en aurez. Il y a un moment ça va chuter, il y a un moment ça va tomber. On ne sait pas. Je le souhaite à personne, à moi en premier, hein, que le Bitcoin, longue vie au Bitcoin. Mais il se peut que tout s'arrête. Dans ces cas-là, évidemment. Si vous avez la totalité de votre investissement sur vos wallets Bitcoin, si le Bitcoin s'écroule, vous n'avez plus rien. Ça, tout le monde peut le comprendre. Donc pour limiter vos risques, c'est très basique. Vous voulez investir 100 euros, posez 100 euros. Un mois, 2 mois, 3 mois plus tard, retirez les gains, redescendez à 100 euros. Ce que vous aurez récupéré, bah, c'est récupéré sur votre compte en banque. Et vous revenez à votre 100 euros que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est toujours ça le principe. Les 100 euros, vous pourrez les perdre. Mais si vous aviez fait l'investissement de 100 euros en début d'année, là où le Bitcoin était à 700, je parle en francs suisses, parlons, et que maintenant il est à 16 500, je vous laisse faire le chiffre. Tout ce que vous arrivez à récupérer au passage, ben vous l'avez. Il est sur votre compte. Donc n'hésitez pas à investir, même des petits montants, à retirer au bout d'un certain temps que vous fixez, suivant l'évolution du taux, etc. Et cet argent-là, ben, il est chez vous, vous l'avez sécurisé. Le laissez pas uniquement dans des wallets en euros. Quand vous le voulez le récupérer, rebasculez-le sur votre compte bancaire réellement. Voilà. On arrive à la fin de cette première série où il y avait toutes les notions de base. Qu'est-ce que c'est qu'une blockchain? Qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie? Comment vous pouvez acheter? Où? Comment vous pouvez stocker? Quelles sont les choses à penser quand on pense à wallet? La sécurité? Est-ce que je veux un wallet en ligne? Un wallet hors ligne? Les exchanges? Lequel choisir quand on a compris? Acheter, revendre, regarder les frais? Ne pas écouter ce que vous disent les gens sur est-ce qu'il faut 90% de Bitcoin, 100% de Bitcoin, ou alors 20% de Bitcoin, 20% d'Ethereum, etc. Faites-vous vous-même
vos études, de ce que vous voulez acheter, comment vous voulez l'acheter, combien vous voulez l'acheter, sur combien de temps. N'attendez personne pour vous donner ces informations. Faites-le vous-même, recherchez les infos. Renseignez-vous si vous voulez gérer vos crypto-monnaies de manière un peu plus fréquente sur les grandes nouvelles. Typiquement, il y a quelques semaines, aux États-Unis, ils ont annoncé qu'ils autorisaient les produits dérivés sur le Bitcoin. Autant vous dire que c'est pas pour rien que le mot Bitcoin monte en flèche depuis, hein. Donc voilà, il y a des choses qui arrivent sur le marché et qui vous disent, bon bah là voilà. N'essayez pas d'anticiper des hausses ou des baisses. Regardez comment part un mouvement large et investissez à ce moment-là. Si le mouvement large est à la baisse, vendez si vous sentez. Si le mouvement est à la hausse, achetez. Mais là encore, si vous voulez être pépère, mettez un peu d'argent en crypto, laissez-le travailler, revenez le voir dans 5 mois, dans 6 mois. Vous aurez forcément gagné de l'argent et au pire, rappelez-vous, cet argent-là, vous vous êtes dit que vous pourriez le perdre. Quelques notions à aborder plus tard, dans d'autres vidéos, ça vous intéresse, je pourrais en faire. Qu'est-ce que c'est que des ordres à prix fixe ou un ordre à prix du marché? Quelle influence ça a sur les frais de transaction? Qu'est-ce que c'est les tokens? La tokenisation, c'est la révolution de la société qui arrive, mais vraiment à tous les niveaux sociétal, juridique, comptable, financier, absolument tous les niveaux. Demain, on ne pourra plus créer de la valeur par le travail. Ce sera probablement par un système type token qu'on gérera la valeur. Qu'est-ce que c'est que faire de l'arbitrage, si ça vous intéresse, même si je ne vous conseille pas, je peux vous l'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire sécuriser son portefeuille? Est-ce que je veux un wallet en ligne, hors ligne? Quels sont les wallets? Comment je fais pour vraiment faire un wallet papier? Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un smart contract? Je pourrais vous expliquer ce que c'est, comment ça marche depuis qu'on a Ethereum. Qu'est-ce que c'est que les ICO? Je vous les conseille absolument pas dans un premier temps, mais si jamais il y a des motivés sur le sujet, je pourrais vous expliquer ce que c'est. Le minage, pourquoi pas. Les escrow wallets, à quoi peuvent vous servir un wallet comme ça? Tout ça, c'est des choses un peu plus techniques qui sont pas là pour les gens qui veulent faire des investissements de base. Et puis, je pourrais parler des moyens de paiement en Bitcoin, suivant ce qu'on a. Voilà. Donc voilà, j'espère que avoir été assez clair, j'ai été hyper dense, j'en suis conscient, mais j'ai essayé de faire le plus court possible pour quand même vous donner des informations d'intérêt, pour vous faire comprendre ce que vous faites, comment vous le faites. C'est juste des informations de base, c'est des choses que j'ai fait, tout ce que je vous ai montré, je l'ai fait moi personnellement, donc j'ai vu comment ça fonctionnait. Je peux vous aider si vous avez besoin d'aide là-dessus, mais à vous de ne pas rester que sur Coinbase ou un truc classique, à vous de regarder ce qui est important pour vous, à vous de regarder sur quoi vous voulez investir, sur quelle crypto-monnaie, à quel montant, si vous voulez acheter, faire travailler vos bitcoins potentiellement ou pas, etc. etc. Renseignez-vous, gérez votre risque, n'investissez pas plus que raisonnable, mais profitez vraiment. Même à petit volume, ça restera intéressant. Dans 6 mois, 1 an, vous direz, ben, j'ai vraiment bien fait de mettre quelques euros dans ces crypto-monnaies. Et ces quelques euros, si vous les perdez, c'est quelques euros. Allez, à plus!